Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'axer ma séance sur le fait d'écouter, avec l'idée que ce n'est pas forcément la pratique en elle-même qui importe, mais plutôt la qualité de l'écoute qu'on établit avec soi-même. Donc bien sûr, on n'engage pas que le sens de l'ouïe, on engage tous nos autres sens. Et je vous propose de fermer vos yeux et de vous installer agréablement sur votre chaise en déposant le dos des mains sur les jambes. Dans un premier temps, sentez ce qui se passe, les yeux fermés, dans la pièce que vous occupez. Percevez l'atmosphère, la chaleur ou la fraîcheur et les sons qui vous parviennent. Puis vous vous rapprochez de vous-même. Et vous percevez les sensations au niveau de votre peau, toutes les zones de la peau qui sont au contact de l'air, au niveau du visage, des mains, peut-être des pieds. Toutes les zones de la peau qui sont sous les cheveux, sous les vêtements. Affinez la perception. Peut-être un léger contact ou des endroits où vous vous sentez plus serré, peut-être une ceinture, chaussettes. Soutien-gorge. Puis sentez ce qui se passe sous la peau, dans tous les tissus de votre corps. Dans les articulations, les muscles. Puis je vous propose de revenir au niveau de vos yeux. Ressentez les paupières. Peut-être la lumière à travers les paupières, délicatement posées l'une contre l'autre. Tous les muscles autour de vos yeux, les globes oculaires, la place qu'ils tiennent dans la tête. L'idée du nerf optique. Observez en essayant de détendre au maximum. Les yeux directement reliés à votre cerveau. Puis venez au niveau de vos oreilles, ressentez la forme de vos oreilles,
le pavillon, les circonvolutions au niveau du pavillon, le lobe d'oreille, la façon dont elle est reliée aux tempes, au maxillaire, à l'arrière du cuir chevelu. Le conduit auditif jusqu'au tympan. Vous mettez à l'écoute de vos oreilles et de ce qu'elles vous transmettent. Venez maintenant au niveau de votre bouche, les lèvres légèrement posées l'une sur l'autre, la muqueuse à l'intérieur des lèvres, les joues, les dents, le palais, la langue, l'arrière-gorge, cet espace qui vous permet de goûter tout ce que vous absorbez. Peut-être votre propre goût. Vous pouvez déglutir votre salive, écouter le bruit que cela fait, suivre la salive dans l'œsophage, peut-être jusque dans l'estomac. Et je vous propose maintenant de venir au niveau de votre nez, la place qu'il occupe dans votre visage. Sa forme, tel qu'il est rattaché aux joues, au front, à la lèvre supérieure. Les deux narines, les fosses nasales, puis vous suivez la respiration, le va-et-vient de votre respiration. Ressentez cette entrée de l'air que vous inspirez, la façon dont cet air est conduit par la trachée et les bronches jusqu'à vos poumons. Vous pouvez peut-être intensifier l'amplitude de l'inspiration et de l'expire. Ressentir la caresse du souffle comme une vague sur la plage. À l'inspiration, la vague s'étale sur la plage comme dans vos poumons. Et à l'expire, cette vague se retire. Vous êtes connecté à ce mouvement perpétuel qui régit le cosmos.
Le yoga fait souvent référence à l'analogie qui existe entre le microcosme, ce qui se passe au niveau de l'infiniment petit, et ce qui se passe au niveau de l'infiniment grand. Et les êtres vivants dont nous sommes font partie de ces êtres merveilleux qui, par le souffle, absorbent une fraction de l'infiniment grand, impalpable. Puis vous cessez le contrôle de la respiration. Revenez au souffle naturel. Dans l'exercice que je vais vous proposer, vous chanterez des om sur les expirations. Donc, c'est un mouvement de bras tout simple. Lorsque vous serez poumon vide, vous marquerez un petit temps de pause où vous affinez votre écoute de ce qui se passe dans le corps. Quand vous serez à poumon vide, vous ferez de même. Vous portez l'attention, l'oreille, l'écoute à ce qui se passe dans le corps à poumon vide. Commencez par joindre les mains devant l'espace du cœur. Vous pouvez garder les yeux fermés pour être dans l'intériorité. Inspire, montez les mains jointes au-dessus de la tête. Poumon plein, écoutez. Expire, les mains se séparent et les bras redescendent par les côtés vers l'arrière. Mains se rejoignent vers les jambes et reviennent dans l'espace du cœur. Poumon vide, écoute. Inspire. Poumon plein, écoute. Expire. Om. Inspire. Vous allez refaire trois fois en sens inverse, l'inspiration avec les mains qui descendent et qui s'écartent pour revenir au-dessus de la tête. Écoute le poumon plein. Inspire. Inclinez la tête vers les mains. Restez connecté à la vibration.
Déposer le dos des mains sur les jambes. Je vous propose dans l'exercice suivant, toujours de chanter le Om sur les expirations. Et nous serons dans un mouvement de bras où nous serons dans les inclinaisons latérales. Donc, inspire, les bras sur les côtés, monte et les pouces se touchent. Connectez fort les pouces l'un contre l'autre et sentez ce qui se passe dans les bras, dans les épaules. Expire, laissez descendre et relâchez le contact. Pardon, les pouces restent en contact, mais vous relâchez le contact. Intensité. Inspire, le pouce gauche devant le pouce droit se croise et vous inclinez à gauche. Expire au centre avec le haut. Inspire, incline à droite. Vous pouvez regarder vers le coude, vers le plafond. Descendez les bras le long du corps. Inspire, contact fort avec les pouces. Engagez les bras, les épaules, expirons. Inspire, le pouce droit devant le gauche et vous inclinez à droite. Regardez vers le coude gauche. Inspire à gauche, regardez le plafond à droite. Redescend. Une dernière fois, inspire. Contact fort entre les pouces. Croisez les pouces, inclinez à gauche. On va faire une dernière fois pour faire symétrique. Inspire, les bras montent, les pouces en contact. Pouce droit devant le gauche, inclinaison à droite. Déposez le dos des mains sur les jambes et restez quelques instants. Relâchez bien dans les maxillaires, dans les épaules, le ventre.
Inspirez, vous ouvrez les yeux. Je vous propose un exercice où vous allez engager vos abdominaux. Donc, simplement, vous remontez le genou gauche en direction de votre poitrine et vous levez le bras gauche en direction du ciel, joignez poussé index, le pied gauche étendu et vous respirez tranquillement dans cette posture. Engagez le périnée et les abdos à l'expiration. Inspirez dans une élévation du genou et du bras vers le ciel. Le dos est bien droit. Utilisez l'énergie de la partie droite de votre corps pour une dernière respiration. Et à l'expire, déposez le pied, les coudes sur les genoux, les mains croisées. Laissez la tête aller vers l'avant. Étendez-vous bien. Mettez-vous à l'écoute de ces sensations à gauche, à droite. Vous vous redressez et vous allez faire l'autre côté. Montez le bras droit, joignez poussé index, montez le genou droit et respirez. Élévation et ouverture dans l'inspiration. Expire, rétractez, tonifiez le dos. Imaginez qu'un fil relie le genou et la main. Utilisez l'énergie dans votre pied gauche, votre main gauche. Épanouissez la poitrine à l'inspiration. Écoutez peut-être votre souffle. Quand c'est bon pour vous, déposez le pied, les coudes sur les genoux, les mains croisées, arrondissez le dos, le cou, détente. Observez l'évolution de ces sensations qui peuvent être dissymétriques. Sentez ce retour à une certaine neutralité dans les sensations corporelles. Sensations qui se retrouvent unifié, pacifié, je vous propose de vous redresser.
Vous allez maintenant pratiquer un exercice de rotation de la ligne des épaules. C'est inspiré de Ardha Matsyendra. Donc, vous allez vous mettre en travers de la chaise, poser la longueur de vos cuisses, la jambe gauche côté dossier. Oubliez-vous préciser ça. Et vous allez monter le pied gauche, le placer, si c'est possible, à l'extérieur de votre cuisse droite, que vous allez peut-être décaler un peu vers la gauche. Trouvez une certaine stabilité dans votre installation. Et je vous invite à enlacer le genou gauche avec le bras droit et amener votre bras gauche soit derrière le bassin, soit peut-être de tenir la chaise. Vous allez inspirer en repoussant la main sur le dossier de la chaise pour intensifier la rotation de la ligne des épaules et profitez-en pour tourner la tête et le regard par-dessus votre épaule gauche. Expire, amenez de la douceur et laissez revenir les épaules dans une rotation douce, la tête perpendiculaire à la ligne des épaules. Inspire, tournez mieux peut-être la ligne des épaules, le regard par-dessus l'épaule gauche. Expire. Amenez légèrement vos épaules, votre tête. Inspire. Sentez que vous pouvez tracter contre votre cuisse droite, contre le ventre, en même temps que vous intensifiez la rotation de la ligne des épaules. Tout ceci, bien sûr, dans le respect de vos limites. Vous pouvez rester dans l'intention. Sur votre prochain inspire, défaites doucement les bras pour ramener bien le buste dans l'axe. Restez le corps à la verticale, le dos des mains sur les cuisses. Et venez écouter ce que le corps vous dit. Respirez dans toutes les zones que vous avez sollicitées. Amenez de la douceur. Dans toutes les zones que vous avez faites travailler. Restez connecté à cette vague du souffle qui ramène une certaine neutralité dans les sensations corporelles. Inspire, vous ouvrez les yeux. Et je vous propose de tourner cette fois la cuisse droite côté dossier. Installe une petite brique. Donc, peut-être rapprocher la jambe droite un peu vers la gauche et
Si c'est possible, vous passez le pied gauche par-dessus la cuisse droite. Vous pouvez tout à fait rester à l'intérieur. Choisissez. Non, je me trompe. Non, c'est ça. Sur diagonale, il faut être en diagonale. Donc, c'est plutôt le pied droit. Le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Hein. Je me suis trompée peut-être un peu dans mon explication. L'idée, c'est de se tourner vers le dossier de façon à soit vous laisser la main droite derrière votre bassin, soit vous attrapez le dossier de la chaise. Inspire. Vous pouvez intensifier peut-être la rotation de la ligne des épaules en vous appuyant sur le dossier de la chaise. Tournez la tête par-dessus l'épaule droite, le regard. À l'expire, amenez la détente. Revenez la tête dans l'axe. Faites à votre rythme. Dans l'inspiration, mettez de l'espace au niveau des vertèbres, du bassin jusqu'à la base du crâne. À l'expire, laissez revenir franchement dans une rotation douce. Actez bien le genou droit contre le ventre, la poitrine. Sur une prochaine inspiration, défaites les bras, ramenez le corps bien dans l'axe, défaites les jambes, le dos des mains sur les cuisses, prenez un petit temps d'accueil. Si vous souhaitez, écartez un peu vos pieds, déposez les coudes sur les pieds. Laissez le dos s'incliner vers l'avant. Laissez le poids de la tête étirer tout votre axe vertébral. Relâchez bien dans les épaules, le cou, les traits du visage. Puis vous vous redressez doucement. Je vous invite maintenant à venir debout. Donc, installez la chaise de façon à ce qu'elle soit bien fixe, bien stable. Vous vous mettez à une distance qui vous permet de poser le pied sur le pied gauche sur votre chaise. Respectez bien l'écart des pieds, la largeur du bassin et faites en sorte que les pieds soient bien parallèles entre eux comme si vous étiez sur des skis. Et vous montez le bras droit vers le ciel, la main gauche à la taille et vous fléchissez sur votre jambe gauche en essayant de garder le talon au sol. Amenez toute votre attention au niveau de la main droite et vous inspirez de la main droite jusqu'au pied droit. Vous expirez du pied droit à la main droite. Dans l'inspire, vous épanouissez la poitrine et vous étirez la colonne. Dans l'expire, vous engagez le ventre, le périnée.
Bien sûr, quand vous inspirez, relâchez périnée et ventre. Imaginez que vous poussez le sommet de votre tête vers le ciel, dans cet oblique. Étirez bien tout votre côté droit. Sur la prochaine inspiration, descendez le bras droit, aidez-vous éventuellement du dossier de la chaise pour retrouver la verticale, les deux pieds côte à côte, les bras ballants, détente. Adoucissez dans les articulations des chevilles, des genoux, des hanches. Laissez le souffle naturel détendre tout ce que vous avez mis en tension dans la posture. Mettez-vous à l'écoute de ce qui se révèle sensible dans votre corps à la suite de cette posture et ce trajet d'énergie. Sur une inspire, ouvrez les yeux. Placez maintenant votre pied droit sur le siège. Vérifiez que vos pieds sont à la pointe des hanches. Et vous montez le bras gauche, le pouce et l'index se joignent, la main droite à la taille, et vous fléchissez sur votre genou droit en gardant l'alignement tête, cou, bassin et jambes, le talon au sol. Amenez votre conscience au niveau de la main gauche et vous inspirez dans tout le côté gauche, de la main jusqu'à votre pied. Vous expirez bien sûr du pied jusqu'à la main. Ouvrez l'espace du cœur à l'inspiration. Rétractez le ventre à l'expire. Relâchez dans le ventre et dans le périnée quand vous inspirez. Une dernière fois, cette respiration complète. Et sur une inspire, doucement, vous défaites les bras. Vous vous aidez de la chaise pour retrouver la verticale. Les bras le long du corps. Détente.
Sur une inspiration, vous ouvrez les yeux et je vous propose de revenir vous asseoir. Vous allez faire le lion. Donc, vous essayez d'amener autant que faire se peut vos doigts vers le bassin. Les mains sont posées vers les genoux. Le dos est incliné un peu vers l'avant. Alignez bien la tête, le cou, le corps. Quand vous expirerez, vous tirerez très fort la langue en écarquillant très fort les yeux, en levant le regard vers le ciel, avec presque l'intention de croiser l'œil droit vers le sourcil gauche et l'inverse. Donc, inspirez dans la posture. Ouvrez l'espace du cœur et à l'expire, tirez très fort la langue. Revenez dans l'alignement pour inspirer. Faites-le une dernière fois en prenant le temps de porter l'attention au temps de pause pour mon plein, pour mon vide. Revenez le corps à la verticale, le dos des mains sur les cuisses, un petit temps d'observation. Mettez-vous à l'écoute de toutes les sensations dans votre langue, dans votre cou, dans vos bras, vos épaules, votre corps. Inspire, ouvrez vos yeux et venez debout. Installez votre chaise de façon à pouvoir prendre appui avec vos deux mains sur l'avant de votre chaise. Vous allez venir poser les mains à plat sur votre siège. Reculez vos pieds de façon à avoir le corps aligné si vous mettez la tête entre les bras. Et vous levez simplement votre jambe gauche. Et vous restez dans cette posture. Connectez à votre respiration. Essayez de garder le bassin et les épaules dans le même plan.
La prochaine expiration, descendez votre pied, rapprochez-vous de la chaise, mettez les mains au-dessus des genoux, déroulez le dos, venez quelques instants à la verticale et dans les sensations. Inspire, ouvrez les yeux et pour vous placer, pour faire l'autre côté, reculez les pieds de façon à avoir les bras tendus, les oreilles au niveau des bras et vous levez la jambe droite cette fois en essayant de garder le bassin et les épaules dans le même plan. Suivez le va-et-vient de la respiration. Sur une expire, déposez votre pied, rapprochez-vous. Mettez les mains au-dessus des genoux, déroulez le corps dans la verticale, accueillez tout ce qui vous traverse. Je vous invite à revenir en assise sur votre chaise. Le dos des mains sur les cuisses. Restez dans le silence intérieur.
Je vous invite à mettre les mains posées l'une sur l'autre, sur l'espace du cœur ou sur le ventre. Restez relié au mouvement du souffle, au mouvement naturel. Restez connecté au battement de votre cœur. Venez frotter vos deux mains l'une contre l'autre. Venez poser la paume des mains sur les yeux. Faites de légers mouvements de pompage sur vos yeux. Venez frotter les mains
À nouveau, les paumes de main sur les yeux. Vous venez frotter vos mains. Puis venez frictionner votre cuir chevelu avec le bout des doigts. Faire bouger même le cuir chevelu sur les os du crâne, autour des oreilles, vers les tempes, le front. Massez votre cou. Massez la nuque. Massez les épaules, les bras. Massez votre poitrine. Votre dos. Massez votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Montez à droite ou descendez à gauche. Puis, frictionnez vos jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les tibias, les chevilles, les pieds, les orteils. Namasté. C'est possible d'avoir un échange si vous voulez un petit peu. Je vais mettre muet, je vais enlever le annuler. Comment on fait pour mettre le haut-parleur? Non. C'est ça. Ah bah ouais, bah si, c'est bon, Daniel. Tu m'entends? Tu m'entends?